Il y a tout juste 3 ans, Youssef est venu au Fidadoc, tout comme ces jeunes, avec sous la main un petit dossier. Il voulait raconter en images l'histoire de son frère, mais ne savait pas comment faire. Youssef, je l'ai eu comme résident, ici à La Ruche, et aussi au Burkina Faso il y a 2 ans, pour ce projet. Donc déjà, effectivement, de voir ce projet être là, c'est tout d'un coup pas une victoire, parce qu'on se dit, mais c'est un peu normal, il y a un travail, c'est le but. Hein, donc, et là, on est très impatient de voir les prochains projets arriver. Le film de Youssef Eït Mansour raconte l'histoire de la disparition de son frère durant près d'un an et leur retrouvaille dans une madrasa traditionnelle sur les hauteurs de Marrakech. Il est né ici à Agadir, au Fidadoc, et il revient au Fidadoc pour être. Ça, c'est une fierté. Ça, c'est grâce à l'Anzal Arhma, grâce à M. Redam Djellouna, si je ne peux pas là. Et c'est vraiment, moi, je trouve ce qu'ils font, c'est vraiment un acte de citoyenneté. C'est l'exemple parfait de ce que l'on souhaiterait réussir et surtout démultiplier, c'est-à-dire avoir un modèle d'écriture, de production, de coproduction et de diffusion 100% marocain. Un jeune réalisateur issu des ruches documentaires avec une jeune boîte de production de Marrakech, une chaîne de télévision 2M et au final un film 100% marocain. Dernière étape à franchir pour Youssef, la projection sur le grand écran, et ce qu'il appréhende le plus, c'est la réaction du public.